la Dream Team. Ouais, qui ont été les meilleurs en cette CAN, en tout cas pour moi. Salut à tous, et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Avant de voir le schéma tactique et la belle composition que je vous ai contacté de ce 11 types de la CAN, on va voir ça poste par poste, le meilleur coach à la fin de la vidéo et le meilleur joueur de la CAN pour moi les amis, donc n'hésitez pas encore une fois à mettre votre équipe type dans les commentaires les amis. On commence par le meilleur gardien pour moi, c'est Rice Mboli évidemment, il n'y a pas trop de contestation là-dessus, il a été encore une fois au rendez-vous, dans les coupes il est énorme, coupe du monde, coupe d'Afrique, il est vraiment exceptionnel, dont l'arrêt décisif hier avec la frappe de Sabali contre cette finale, contre Sénégal, franchement Rice Mboli énormissime. À côté de lui, Sabali, côté gauche, latéral moderne, qui monte et qui descend évidemment, qui colle son défenseur mais qui peut dédoubler aussi avec son ailier, en l'occurrence Sadio Mané, le bordelais a été monstrueux toute la compétition, donc Sabali je le mets évidemment latéral gauche titulaire. À côté de lui, Kalidou Koulibaly, il n'a pas fait la finale hier, mais c'est peut-être grâce à lui et sûrement grâce à lui aussi que le Sénégal finit meilleure défense, un rock de ouf. À Naples, et là, avec Lilian Lateranga, il n'y a rien à dire évidemment. À côté de lui, peut-être un futur partenaire de Naples. Il est proche, apparemment, en rumeur de Naples. Yacine Maria, l'aigle de Carthage, est très très bon, franchement. Élégant, il défend debout, il a une très bonne lecture du jeu. Et franchement, il m'a impressionné de ouf. Et à côté, évidemment, côté droit, le Niçois, Attal. Bon, ça, évidemment, le petit Youssef Attal, il est énorme, même s'il n'a pas fait des matchs par rapport à sa clavicule cassée. Il a été toute la compétition, énorme. Des fois, il est dans le milieu de terrain, il monte, il est attaquant, il est incroyable. Un futur grand, ça, je vous le dis, les amis. Le milieu de terrain à 3, point de basse. Le futur parisien, normalement, il signera lundi aussi, dans les rumeurs, en tout cas, Idrissa Gueye d'Everton. Incroyable. Incroyable, franchement. Porté vers l'avant, il peut percer carrément un milieu de terrain et une défense. En l'occurrence, son but avec le dédoublement et Sadio Mané. Gratteur de ballon, incroyable. Un super milieu de terrain, les amis. À droite, moi j'ai mis Sassi, le Tunisien. Il m'a impressionné de ouf, franchement. Dans la grinta, dans la force, dans le caractère, notamment aussi avec son but. Franchement, lui, pour moi, il est titulaire, mais tous les jours dans cette équipe en tout cas. À côté gauche, Ismaël Benacer, la révélation un peu pour tout le monde de cette CAN. J'arrêtais pas de le répéter, franchement. 21 balais, il va signer normalement au Milan AC. Il a été incroyable. Il est technique, il harangue ses partenaires. C'est une tête de lard, franchement. C'est un gueulard à 21 ans. On dirait presque un capitaine. Il est franchement impressionnant et je pense qu'on va entendre parler de lui encore longtemps. Devant, Mané, évidemment, au rendez-vous. Hein, 50 matchs dans la saison et il a marqué 3 buts. Un peu tendu hier pour la finale, évidemment, mais il a été le dynamiteur de son équipe. Donc, il n'y a rien à dire. Il est titulaire devant dans ce milieu à 3. Riyad Mahrez, évidemment, le joueur de Manchester City. Le capitaine des Fenech qui a donc porté cette équipe jusqu'en finale. Pas que lui, évidemment. Hier, il n'était pas, comme toute son équipe, un peu dans le reculoir. Donc, on n'a pas vu ses capacités offensives énormes. Mais ce coup franc magique qui aura marqué, évidemment, cette Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria à la 94e minute. Il a été au rendez-vous. Franchement, Riyad Mahrez. Devant, en numéro 9, Igalo. 5 buts. Le meilleur buteur, le Super Eagles. Dont son but pour la petite finale, évidemment. Il s'est sorti blessé à la cuisse. Mais il a été bon. Joueur de pivot. Capable aussi de prendre la profondeur. Il est impressionnant physiquement et pas maladroit techniquement. En tout cas, un bon joueur que l'Europe devrait regarder, ce qu'il est en Chine, mine de rien. Le coach qui a mené tout ça, Belmadi, meneur d'hommes, capable de d'haranguer pareil ses joueurs, de calmer aussi, d'adapter son discours par rapport à si son équipe est bien ou pas, franchement, dans la discrétion. Chapeau, Jamel Belmadi. Le meilleur joueur pour moi, évidemment, de cette CAN, les amis, comme beaucoup de gens, c'est Ismaël Benacer. Il a reçu son titre hier, évidemment. Il n'y a rien à dire. Un gamin, déjà avec une taille patron. Grand talent. Je pense que, à mon avis, il va aller dans des plus grands clubs. Déjà que Milan AC, c'est quand même, mine de rien, pas mal. Allez, on va passer, évidemment, à ce 11 type avec le système, les amis. Bougez pas, on se met ici. Donc, vous voyez comment c'est impressionnant. Mboli, Sabali, Koulibaly, Meria, Attal, Benacer, Gueye, Ferjani Sassi,
Mahrez, Mané, Ighalo. 4-3-3, incroyable les amis, coaché par Jamel Belmadi. Voilà le 11 type de la CAN. Donc les amis, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou mettez vos joueurs carrément, parce que c'est important de converser ensemble les amis. Voilà donc ce 11 type. N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, c'est important, on arrive bientôt à 60 000 abonnés, rendez-vous compte, et surtout d'activer la petite cloche de notification, l'un va pas sans l'autre les amis. Je vous laisse, je vous dis à très très vite les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, comme ça on aura plus encore de commentaires pour voir le 11 type de chacun, et mettez un petit like pour récompenser le travail. Je vous laisse les amis, salut, 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 et salut. Elle fait rêver cette équipe, elle fait carrément rêver cette équipe.